Ok les amis, on vient d'arriver à la librairie. Ah, alors bon, je t'avais parlé de ça, Overspace, ouais c'est vrai ouais. Là dernièrement mon père il est devenu complètement fou. Mais t'inquiète, ça va beaucoup mieux maintenant, allez viens. Ouais ouais, il veut quoi comme BD déjà Oh je sais plus, mais par contre t'as vu, on va à la librairie, on va à la bibliothèque à 11h du soir. Bah écoute, pourquoi okay. pas. Allez, toc toc, y'a quelqu'un ou quoi là-haut? Bonjour. Waouh, wow, c'est super grand ici. Hé, hey, bonjour madame la bibliothécaire. On mesure 2 cm ou ça se passe quoi? Oui, bonjour et bienvenue dans la librairie. Bonjour, excusez-moi, on vous voit pas en fait. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, explorer la bibliothèque et prendre un bouquin, je ne sais pas moi. Mais, attention, ne me rendez pas complètement dingue, s'il vous plaît. D'accord. Ok, faut pas faire de bruit. Ok, ça roule. Excusez-moi, vous auriez les BD Fuse Jumper? Non, avec des BD Fuse. Ah d'accord, ok. Ah, je la prends quand même, moi ça me va. Ok, voilà. Bonjour. J'aimerais mon livre préféré. Oui, s'il vous plaît, par contre, fais pas de bruit. Elle avait dit que si jamais. Tu sais, ça rappelle dans Monstre Academy, tu sais, avec l'énorme limace là. Si tu fais du bruit, elle t'attrape, tu vois. Qu'est-ce que. Oh, c'est quoi ça? C'est le mec qui a des jerrycans dans une librairie. Oh non. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans une librairie. Oh non, j'espère que ça va pas être comme avec le papa fou là, non? Oh, j'espère le pas. Le papa, tu sais, bizarre et strict là. Ah, j'ai trouvé mon bouquin. Oh, à tous les coups, c'est ça, c'est comment la bibliothécaire faire des vues strict sur YouTube. Voilà. Oh, j'en ai besoin. Attends, Getbook, on peut vraiment prendre le livre? Oh, let's go. Asseyez-vous et lisez-le, d'accord? Il était une fois une légende appelée Fio Jumper. Oula, attends, attends. C'était l'enfant le plus cool de l'école. Attends, okay. Et tout le monde l'adorait. Oh, c'est gentil ça. Il avait un animal de compagnie, Caillou, appelé Pierre. et il est parti en aventure avec Pierre. Il avait un rat Caillou avec lui. c'était jusqu'à ce jour où Pierre a disparu. Qu'est-ce que. Bonjour et bienvenue à la librairie. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'en ai marre de tous ces enfants qui viennent dans mon école, enfin dans ma librairie. Oh, je crois qu'on arrive à la bibliothécaire, mais on a rien fait nous. Survivez jusqu'à 6h du matin. Oula, oula, oula. Attention, elle peut vous chasser, donc ne faites pas de bruit. Pensez à vous nourrir de chips uniquement, d'accord? Ok, de ventilation, attention. Il faut mettre les générateurs à fond, sinon il n'y a plus de ventile. Oh, et attention à la librairie. On peut se planquer. Oh non, la bibliothécaire, elle est devenue folle, ça y est, elle est comme notre père et notre mère. Elle est devenue strict et bizarre. On peut courir, hein, c'est ça? Ah oui, on peut vraiment courir. Ok, donc c'est vraiment survie jusqu'à 6h du matin. La porte de sortie est fermée, mec. Ok, donc on a vu que le générateur était au tout début. Ouais. Ok, ça va aller. On m'accuse de poulet à la fond. Hein. C'est des vieux ouais, PC de 80. Je n'arrive pas à courir, perso. Bah, c'est mage, ouais. Ouais, ouais, j'ai... J'entends. Mais attends, mais c'est dense ou quoi? Si ça clignote, c'est qu'elle est là. Par contre, je commence à avoir faim, mec. Faut trouver des chips. Moi j'ai pas faim. Oh les poteaux, mais on est reparti. On est de partir chez notre père qui était devenu dingue. Et là on arrive dans une bibliothèque où elle est folle aussi. Ok. J'ai un peu faim là. C'est quoi là-bas? Oh, c'est le générateur. Tu viens? J'arrive. Elle a pas l'air d'être là. Faudrait peut-être le remplir maintenant. Ok. Comment on peut le... T'arrives? Je l'ai mis. On en a pas beaucoup. Allez pas de l'autre côté. Ah, ah. Mais je peux pas courir. Mais comment ça se fait que tu peux pas courir? Oh, je la vois. Ah. Ah. Elle en est après moi, t'es où? T'es caché derrière le générateur. Oh, t'as pas vu genre? Non. Oh, de la bouffe. Oh là 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 là, mais c'est dur. Attends, mais c'est super dur. J'ai remis le générateur. C'est bon, c'est bon. Elle m'a lâché. Oh, j'ai une flashlight. Bon, il est 1h du mat. Je l'ai vu passer. Elle revient vers toi, je crois. Je suis caché. Ok, heureusement la bibliothèque est très 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 grand. Par contre, à aucun moment tu sais. C'est quoi ça? De la nourriture. Les chewing-gums. Elle est à côté de moi. À aucun moment tu sais où il en est, générateur. Faut se planquer dans les angles, mec. Tu planquais contre le générateur. Oh mais ça marche trop bien, c'est une technique. Ouais. Genre elle te voit pas. Elle voit pas. Mais c'est trop bien. Parce que du coup tu peux même réalimenter le générateur. Exactement. Oh, je vais à son bureau, je vais lui voler. Elle m'a vu. Ah bah tu vois que ça marche pas tant que ça. Oh attends, tu peux pas aller derrière la bibliothèque là? Heureusement j'ai des pansements. Oh j'ai faim. Ah okay. Oh, c'est bon, moi je me fais poursuivre mais ça m'empêche pas d'avoir faim. Attends, tu peux pas glitcher là? Oh, regarde le Overspace à droite! Je suis là!
J'essaie de monter sur l'étagère. Ok. T'imagines, tu t'arrives à monter là-haut, mais elle t'attrapera jamais. Oh! T'as réussi? J'ai l'impression que j'ai escaladé. Ah, mais je crois qu'il y a... Non, tu peux pas y aller. Ok, alors il est quelle heure? 1h du matin. Le générateur, je le vois là, dans le loin, il est à 40 sur 100. Regarde! Oh, mec, t'es trop bien là! On pourra jamais t'attraper, mec! Okay. La lanterne, ça sert vraiment à rien, les amis. Ah, rien du tout. J'ai toujours mon paquet de chips. Enfin, non, ah non, c'est des Kit Kat, c'est bon ça. Elle est où? Je sais pas, je vais aller mettre du carburant. Vas-y. Il est 2h du matin. On est bien. Pas faire de bruit. J'attends le dernier moment pour manger, moi, parce que j'ai l'impression que ça met toute ta barre de nourriture à fond. Ouais, le générateur il est à 15, on est mal. Hein. Mais y'a pas de jerrycan? Si, y'en a plus qu'une. Ah bah c'est super ça. Voilà. Et bah c'est bien, on va tous mourir. On a 4 heures pour et un jerrycan. Mais attends, mais genre les jerrycans c'est pas infini? Non. Je mange. Ah bah d'accord, donc ça met pas toute la bouffe à fond en fait. Et alors? Oh, j'ai cru que les pots de fer c'était des jerrycans. Moi je dois être au régime parce que j'ai vraiment pas faim. Ah c'est vrai? En même temps, ouais. Si t'es mort, t'es un fantôme, hein, donc techniquement. Ok. Je l'entends. Elle arrive! C'est moi qui l'a vu? Non, je crois que c'est moi. Elle arrive à sauter! Mais quoi? Elle saute au-dessus des tables! Elle arrive! Non, y'a Jerrycan qui est revenu! Ok. Oh là, panique! Oh là là, mais elle saute partout les bébés! Je crois qu'elle m'a vu. Au secours, Casper! Viens pas vers moi, je sais pas courir, viens pas vers moi. Oui, c'est vrai. Hein? Non. Elle m'a vu. Elle m'a perdu. Elle a une tête de télépété. Elle m'a perdu de vue. Oh la gueule, hein. Ah, il se passe quoi? Elle s'est TP sur moi, je suis mort, let's go. Wouah, comment ça se fait? Ah, parce que t'étais peut-être dans la lumière rouge. Oh, j'ai du bol, moi j'étais. Attends, mais attends. Oh non. Oh non, elle est énervée maintenant. Oh là là. À 3h du mat, elle est énervée pendant 40 secondes. Génial! C'était écrit sur son emploi du temps. Ah, d'accord. Ouais, à 23h, j'irai au chiottes. Grosse diarrhée là. Mais le jerrycan! Mais je peux pas faire les deux en même temps! C'est moi, je peux pas courir. Il faut qu'il mette, Thomas Spence. Y'a la grand-mère, elle me suit. S'il te plaît. C'est bon. Ah, c'est trop bien, mec. Mais c'est horrible. Mais la... Oui, aujourd'hui je fais une extension, je vais être énervé pendant 2 minutes. Oh là là, j'en peux plus. Je suis désolé de crier, mais là... Je peux pas courir. T'as mis le jerrycan, c'est bon? J'ai mis le jerrycan, on en a plus. Oh non, on l'a pas vu ça. C'est ouf que tu puisses pas courir. Je pense que c'est parce que t'as du diabète et je respecte. Ok. Courage. Je suis caché dans une poubelle. Mais ça, c'est ça de manger que des chips aussi. Bah oui. Je suis caché dans une poubelle, je me sens dans mon élément. Je suis un déchet. Je suis un détritus, ma place est avec les détritus. Je suis un détritus, ma place est avec les détritus. Non, elle m'a pas vu. Ah, c'est moi qui va voir. Elle m'a pas vu. Si tu te caches sur les arbres, elle te voit pas. Astuce. Oh bah moi, écoute, elle me voit pas du tout, hein, elle est aveugle. Ok. Mange des chewing-gums même si. Et elle m'a vu! Ah, attention! Non, mais là, c'est bon. Non, mais là, laisse tomber, mec. Attends, je vais faire un pas! Elle veut une chemise à carreaux! Ça lui fait penser à un tapis de pique-nique. Ouais, ça va être ça, ouais. Oh, les lumières rouges. Elle, on a bientôt plus de jerrycan là! Ah, j'imagine qu'elle te pense. Oh non, elle t'a tué. Y'a plus d'essence, hein! Ouais, bah. Faut que tu revives, mec. Ouais. Ok, elle arrive de ce côté-là. Allez, un paquet de chips, Lays, par terre, hein, c'est ça. Bon, bah. Rip, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de jerrycan et on doit survivre encore 2 heures. Mais tu peux revivre.
Ah oui, ok. Mais tu peux revivre. Utilise ton pansement, vite. Non, mais je l'ai fait. Mais il n'y a plus de jerrycan. Ça va aller, ça va aller. On va respirer dans les paquets de chips vides. Ok, ça va sentir le sel un peu. Ok, ma vie descend. Tout doucement. C'est pas grave. Ah non, mais attends, mais pourquoi il n'y a plus de jerrycan? Eh, hey, mais moi, ma vie, elle bouge pas. C'est pas vrai. Genre, tu meurs pas? Je suis immortel. C'est pas normal, hein. Moi, j'ai traversé un plan moi, de l'existence. Mon je m'en tire. Mais pourquoi elle fait ça? Elle me saute dessus. Parce qu'elle m'a tué. Ok, attends, c'est bon, je peux revenir? Oh, c'est bon. Je revis. Ouais. Ouais, parce que là, aussi, quelle idée de mettre un seul jerrycan dans le truc. Trop, il y a un moyen de prendre le truc, non? Non. Ok. On peut aller sur le jerrycan et genre elle nous attrape pas, c'est ça? Elle arrive, on est mal. Oh, je crois pas trop à ta théorie, à mon avis. Oh, je suis d'accord. Ah, mais faut frapper! Revis, Overspace, revis! Revis! Je revis. Vite! C'est bon. Mais... c'est rien, c'est que de l'air après tout. Ok. Au pire, on ouvre les portes. C'est bon. Oh, la vache. J'ai pas confiance. J'ai vu ta tête rouler. Vite. Oh là là là. En vrai, c'est mais pas normal là. Faut que tu revenir aussi là. C'est bon, c'est bon, ça. Jusqu'à temps que ton compte il m'a. De l'air. Non mais non mais. Vite, Overspace, revis. Ça va me coûter 2000 Robux. Allez. C'est bon, je suis là. Je vais mourir. Je me meurs en boucle parce qu'il y a plus d'oxygène. Alors que moi j'arrive à vivre en apnée sans problème. Mais ça c'est... non mais ça c'est dingue. Et t'arrives à mourir quand même. Bah oui, parce que c'est elle qui vient me croquer, c'est pas le... Ah oui, mais ça tu peux pas courir. C'est normal. Bah ouais. Mais non mais... elle était pas du tout à côté de moi, elle m'a touché. Oh ah. Let's go. On a survécu. Allez. Comme quoi les Robux c'est mieux que l'oxygène. C'est vrai. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet de rester en vie. C'était la morale yes de cette story. Les amis, on a survécu. Oh là là. Et attends, on est revenu ici. Waouh. Donc, on quitte la bibliothèque pour aller dans une autre bibliothèque. C'est plutôt étrange, voilà. Et bah, les amis, on a réussi à survivre au Jeroblox Wall Street Librarian. Donc, c'est vraiment comme Wall Street Dad. C'est ça, mais là c'est la bibliothécaire. Sauf que là c'est Librarian, donc la bibliothécaire. En vrai c'était stylé quand même, hein. Alors en vrai, sans compter la partie essence et tout, à gérer pour les ventilations là, en vrai ça va, c'est plus facile, hein. Ouais, puis il y a la petite référence à Doors et tout qui est cool. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que c'est quand même plus facile. Il y a un passage secret. C'est un passage secret. Je trouve que c'est quand même plus facile parce qu'il n'y a pas à gérer les allers-retours devant le papa, tu sais, qui peut te manger alors qu'il peut te bouffer, alors que là ça va, tu vois. Et bah écoutez les amis, n'hésitez pas vous aussi à tenter à relever le défi de Wall Street Librarian. La libraire Street est bizarre, voilà. En tout cas, vous pouvez retrouver le jeu comme d'habitude dans la description. N'oubliez pas bien sûr mettre un maximum de likes si toi aussi tu veux des chips. Voilà. Ouais, je trouve que c'est bien. Voilà. Et surtout, n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube et ne pas oublier bien sûr d'activer la cloche pour ne pas rater le prochain jeu qui sortira sur la chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup, les amis. C'est Jumper, le noob et Overspace qui est tout là-haut. Et on se dit du coup à très bientôt. Allez, ah bah y'a pas d'émotes. Bon, allez, ciao, les amis. Salut.